Le 11 février 2002, le couple russe Elena Berezhnaya et Anton Sikharolidze remporte la médaille d'or de l'épreuve de patinage artistique des Jeux Olympiques de Salt Lake City. Il devance la paire canadienne Jamie Salé et David Pelletier. Mais ce résultat va déclencher un scandale sans précédent qui va marquer l'histoire des Jeux et impliquer directement la France. Alors, qu'avait-il pu se passer? La France au cœur du scandale des épreuves de patinage des Jeux de Salt Lake City? C'est une story zone mixte. C'est parti! Tout d'abord, petit rappel des faits. À la veille des Jeux, les couples canadiens Salé Pelletier et russe Berezhnaya Sikharolidze sont les grands favoris de l'épreuve de patinage artistique. La paire canadienne est tenante du titre mondial et les Russes l'ont été par deux fois en 1998 et 1999. La compétition débute donc le 10 février 2002 avec le programme court. Lors de leur passage, les Canadiens font une erreur sans grande conséquence, mais qui entache tout de même leur impression globale. Il s'agit d'une faute non technique qui ne reçoit donc pas de pénalité. Les Russes, quant à eux, font une prestation propre et virent donc logiquement en tête à l'issue de la première épreuve. 24 heures plus tard, le 11 février 2002, les épreuves du programme libre débutent. Le couple russe se lance et Anton Sikharolidze va commettre une faute technique à la réception de son double axel. Les Canadiens se présentent ensuite, réalisent une prestation propre et sans erreur. Le couple exulte et la foule est en liesse. Suite à leur prestation, les Canadiens sortent sous les ovations du public et une majorité des experts présents s'accordent à dire que le titre est pour les Canadiens. Well, the crowd has made its choice. The standing ovation. Simply perfect. Malgré un programme globalement plus facile que celui des Russes. En effet, la faute technique de ces derniers doit leur permettre de remporter le titre. Petite précision au passage. Il faut avoir en tête, pour bien saisir cette histoire, que les Jeux se passent aux États-Unis et que forcément les Canadiens jouent quasi à domicile. Surtout que la rivalité est omniprésente entre les États-Unis et la Russie, surtout dans le patinage. Le public est acquis à la cause des Canadiens et souhaite mettre fin à la série de victoires russes aux JO dans cette épreuve qui dure depuis 1964. Et puis, les résultats tombent. Les Russes devancent de peu les Canadiens. 5 juges sur 9 les classent second. Encore un petit aparté. À l'époque, les notes des juges sont affichées par pays. Chaque note représente un pays, donc on sait donc directement quel juge a donné quelle note. Et ces mêmes juges sont exposés au public et aux caméras en bord de piste. Ce détail est très important, mais on y reviendra par la suite. Donc, suite à l'annonce des résultats, une bronca résonne dans les gradins, les commentateurs américains font les choqués, « Oh my god, oh my god, oh my god !» Vous connaissez la chanson. La surprise du résultat est tellement forte que les soupçons de tricherie se font un écho de plus en plus fort en coulisses. En effet, les spécialistes ne tarderont pas à analyser les notes et la nationalité des juges. On constate donc que les juges russes, chinois, ukrainiens, polonais et français ont placé les Canadiens en seconde position, tandis que les juges canadiens, américains, allemands et japonais ont placé les Canadiens en première position. Et forcément, la juge française est rapidement montrée du doigt, puisqu'a priori, c'est son vote qui aurait fait pencher la balance. Mais alors, pourquoi? Pourquoi accuser la française? Il y a 5 juges pourtant. Les Chinois, les Polonais, les Ukrainiens n'ont pas triché, eux. Bon, je me doute que vous l'avez vu, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest dans le verdict des juges. Bien entendu, les vilains petits canards ne peuvent être que ces traîtres de français. De là à parler de complot, vous me suivez? Bon, alors, quand on accuse, il faut des preuves. Sinon, bah, circuler, il n'y a rien à voir. Jusque-là, on est d'accord. Mais, parce qu'il y a un mais, le lendemain, la juge française Marie-Reine Le Gougne, totalement effondrée par l'ampleur qu'a pris cette histoire et la pression populaire et médiatique de la part des médias canadiens et américains qui s'abat sur elle depuis la veille, se confesse lors d'une réunion d'officiels lors de laquelle elle se retrouve accusée d'avoir favorisé les Russes. Elle avouera lors de cette réunion avoir subi des pressions de la part du président de la Fédération française de patinage, Didier Gayaguet, pour qu'elle avantage les Russes. En échange de quoi,
Les Russes leur rendraient l'appareil lors de l'épreuve de danse sur glace où le couple français Marina Anissina et Gwendal Pézrin est donné favori. Alors, comme ce n'est pas aussi simple, Marie-Reine Le Guin va se rétracter au moment d'officialiser ses aveux. Selon elle, il n'y a jamais eu d'accord. Et elle affirme également penser sincèrement que le couple russe avait été meilleur que les Canadiens. Mais revenons un instant sur cette histoire de complot. Les couples français Anissina Pézrin étaient certes favoris de la danse sur glace, mais leurs adversaires principaux pour le titre étaient russes. Il s'agit du couple Irina Lobacheva, Ilia Averbukh. Donc si je récapitule, les Français auraient négocié avec les Russes afin de favoriser le couple français contre des Russes. Pourquoi pas? Le scandale ne va pas tarder à éclater et faire la une des médias du monde entier. Sans surprise, les médias canadiens et américains seront sans pitié envers la juge française. La presse canadienne crie au scandale et réclame justice et réparation. Pour résumer, on leur a volé le titre. Ça fait la une de tous les journaux, c'est les stations de radio, on en parle, tout le monde téléphone. Il y a des sondages qui disent que 95% évidemment des Canadiens croient qu'on s'est fait voler la médaille. Mais certaines personnes, même aux États-Unis, pensent quand même que les Russes méritaient de gagner grâce à leur programme jugé plus difficile à exécuter que celui des Canadiens. Les Russes, eux, forcément soutiennent mordicus leurs compatriotes. Bah oui, normal, comme quoi ce n'est pas toujours aussi simple. Et tout est question de point de vue. Après tout, les Canadiens avaient fait une erreur lors du programme court et les Russes une erreur lors du programme libre. Et puis les Russes, il faut le rappeler, sont en territoire hostile. En France, on commence à évoquer cette histoire à partir du 14 février, soit 3 jours après. Elle est au cœur du scandale, Marie-Reine Le Guin. Cette juge française est soupçonnée d'avoir passé un accord avec ses homologues des pays de l'Est lors de l'épreuve des couples. À l'origine de la polémique, les mauvais points attribués aux Canadiens. Quand on les juge, oh non, ce n'est pas possible. 5 juges les mettent deuxième. Le public conspue les juges. Le public hue les juges. Le 12 février 2002, l'Union internationale de patinage lance une enquête interne et se fait mettre la pression par le CIO. En effet, c'est pas très joli. Le 15 février 2002, l'Union internationale et le CIO, en réaction au scandale médiatique et pour apaiser les tensions, annoncent que Jimmy Sallé et David Pelletier obtiendraient la médaille d'or olympique conjointement avec les Russes Elena Bereznaya et Anton Sikharolidze. Le comité international olympique décide d'attribuer une autre médaille d'or au couple canadien. Quelle histoire! Alors, je suis certain que vous vous demandez ce qui a bien pu arriver à notre chère Marie-Hélène Le Guin, la principale protagoniste. Ah ben, elle a été suspendue pour faute en attendant les conclusions définitives de l'enquête. Conclusions qui arriveront le 30 avril 2002. En effet, Marie-Reine Le Guin et le président de la Fédération française de patinage sont suspendus pour 3 ans et exclus des Jeux de Turin de 2006. Les preuves se basent uniquement sur les témoignages recueillis par les officiels présents lors de cette fameuse réunion. Les Russes, eux, sont mis hors de cause simplement car aucune preuve directe ne les incrimine. Suite à ce scandale, l'Union internationale va entamer des démarches de refonte du système de notation en anonymisant notamment la nationalité des juges. En juin 2010, Marie-Reine Le Guin, dans une interview, avoue que Didier Gayaguet lui a bien demandé de favoriser les Russes, mais qu'elle était néanmoins toujours convaincue que ces derniers avaient été meilleurs que les Canadiens. Lors d'une interview accordée à Thierry Ardisson, la juge française déclare qu'elle a craqué sous la pression des médias, du public et même des officiels. J'ai craqué effectivement lors de la réunion de juges. Mais j'ai craqué pourquoi? Parce que j'ai subi un nombre de menaces invraisemblables jusqu'à des menaces physiques et morales dès lors que j'ai posé mon crayon dès la fin de la compétition. Donc moi j'ai fait mon choix parce que je considérais que le russe était meilleur. Non mais c'est vrai, vous avez été lynché. J'arrive à l'hôtel, la présidente du patinage mondial m'agresse parce que je n'avais pas mis le Canadien premier. Oui. Alors là, oui, j'ai totalement craqué. Elle avoue avoir subi des pressions, mais ces dernières n'ont eu aucun impact sur sa décision. Vous savez bien quand même que les Russes, ils ont fait une faute. Oui, le Russe fait une petite erreur. Mais, j'explique d'ailleurs, j'en tiens compte, puisque je mets 5-8 en première note. Alors que les Canadiens n'ont pas d'erreur, mais c'est plus facile. Bon, après toute cette histoire, on pourrait penser que le président Gayaguet se retirerait dans un monastère. Non. Il est réélu en 2002, puis démissionne malgré lui en 2004. Il est de nouveau réélu après avoir purgé sa suspension de 3 ans en 2007.
Et c'est une autre affaire qui aura finalement raison de lui, celle des agressions sexuelles dans le patinage mis au jour en 2020. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bon, c'est tout pour moi. Je vous laisse vous faire votre opinion sur qui a raison, qui a tort, qui est coupable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao la team!